Bonjour et bienvenue à Magic Vibrations Healing School. Mon nom est Damien Hay. Je voudrais vous introduire le langage de lumière qui vient des guérisseurs de miracles du Mexique maya. Tout est fait de lumière, tout est fait d'énergie. Votre conscience est lumière. C'est pour ça que quand vous fermez les yeux, vous pouvez percevoir cette lumière à l'intérieur de vous. Nous sommes faits de différentes fréquences, de différentes vibrations de lumière qui se densifient et qui crée notre forme corporelle. Mais nous savons tous que nous sommes beaucoup plus que notre corps. Nous sommes aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps causal, et des corps encore plus spirituels, plus subtils. La lumière qui nous fabrique, la lumière qui constitue notre essence et notre personnalité, et notre corps physique et tout ce que nous sommes, cette lumière-là, elle est définie par un ensemble de géométrie, de formes, comme si la lumière passait à travers un prisme, comme quand vous alliez à l'école et que vous voyez la pyramide, le prisme qui diffracte la lumière comme un arc-en-ciel. Cette lumière qui est pure, qui est la même pour chaque être humain, pour chaque pièce de création, se diffracte en un arc-en-ciel de lumière avec différentes fréquences et prend différentes géométries. La majorité de ces géométries sont héritées génétiquement de vos parents, de votre passé, de vos vies passées, si vous croyez dans les vies passées. Ce sont des formes, des géométries de conscience que nous opérons tous les jours, qui font partie de nos schémas constructeurs de personnalité, qui viennent de l'école, de notre société, de nos parents, de toutes les expériences de vie que nous avons eues. Avec le langage de lumière, nous apprenons ces géométries de conscience et nous apprenons comment les faire vibrer à différentes fréquences qui correspondent à des couleurs. Et quand on fait ça, quand on apprend ce langage-là, on peut redonner forme à notre lumière. On peut sculpter l'être de lumière que nous sommes et le sculpter d'une manière cohérente et consciente pour attirer dans notre vie des choses que nous désirons, des processus par lesquels nous désirons passer pour nous transformer et pour guérir. Donc quand on apprend le langage de lumière, on reçoit dans notre aura toutes ces formes et toutes ces couleurs qui sont des vibrations et ensuite vous pouvez les émaner, vous pouvez les envoyer sur des situations, sur des personnes tout autour de vous. Vous pouvez aussi créer des grilles qui sont comme un tissage de formes et de couleurs qui vont supporter vos intentions et vos prières et qui vont renforcer les processus de guérison et de manifestation que vous désirez acquérir ou que vous désirez manifester dans votre vie. Donc quand on apprend le langage de lumière, on devient un co-créateur conscient, un sculpteur de notre propre lumière et de la lumière des autres. Et notre manière de prier, notre manière de demander à l'univers de manifester ce que nous désirons manifester se fait à travers un tissage de formes géométriques parfaites, vibrant à spécifiques couleurs, qui nous permet de prier et de reprogrammer la lumière qui monte vers le Créateur et qui redescend. Donc lorsque nous apprenons le langage de lumière, nous reprenons dans nos mains, dans notre essence, le pouvoir de co-créer, de sculpter l'amour, la lumière, de resculpter notre code, de resculpter nos schémas. Et cela vous permettra de travailler sur vous, sur les autres, cela vous permettra de retrouver votre intégrité de co-créateur. Cela pourra redonner une forme cohérente et consciente à chacun de vos chakras et vous pourrez tisser des intentions, que ce soit des choses physiques, matérielles ou évolution spirituelle, guérison émotionnelle, mentale. Le langage de lumière peut servir à tout puisqu'il s'agit des blocs constructeurs du langage premier de la création. Quand vous l'apprenez, vous redevenez ce co-créateur premier et conscient. Donc joignez-moi pour cette classe fin août à Bourgoin-Jallieu pour le langage de lumière, pour ces 3 jours où vous allez apprendre tout un ensemble de formes et de couleurs et comment tisser ces grilles d'intentions afin de transformer votre vie et afin de rayonner la lumière que vous voulez rayonner pour le monde. Merci.